On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On était à Lyon, on va partir à Villeurbanne où trois policiers en civil ont été agressés dans la rue. Ils ont été agressés par un couple, d'abord qui ne savait pas qu'ils étaient policiers, puis dès qu'ils ont décliné leur identité, alors là, ça a redoublé de violence. Un agent a été sérieusement blessé. Écoutez la réaction de Ludovic Cassier, qui est secrétaire départemental du syndicat SGP Police et Faux. On a des collègues qui sont effectivement basés sur Villeurbanne, qui sont au groupe stup de la division, qui étaient sur leur temps de pause, hein, sur leur pause de ce qu'on appelle techniquement la pause méridienne, qui sont partis manger à McDo, pas très loin de leur service. Et en fait, lorsqu'ils regagnaient leur véhicule, ils se sont fait insulter de sales français de merde, de fils de pute. Ça a commencé comme ça, ça s'est envenimé très rapidement. Mes collègues au départ ont tenté de calmer la situation et puis après ont décliné leur qualité de policier et le fait d'avoir décliné la qualité de policier ça a engendré des insultes supplémentaires nique la police puis également des violences il y en a même un qui a déversé apparemment sa bouteille de coca qu'il avait je crois à la main haute sur un des policiers et ils ont eu du mal à les maîtriser, il a même fallu l'aide d'un collègue gendarme qui était hors service également pour les aider à neutraliser et interpeller les deux mises en cause. Voilà, donc c'est encore une fois, là, Céline Pina, une insécurité au quotidien pour les forces de l'ordre, ceux qui sont censés incarner l'autorité de l'État, qui dès qu'ils déclinent leur identité, les étant civils en l'occurrence, mais c'est encore pire, ça déchaîne la violence. C'est extrêmement étonnant parce que eux-mêmes, quand ils déclinent leur identité, c'est justement pour calmer le jeu, bien pour sûr. Leur dire, écoutez, on est policiers, maintenant, prenez de la distance, et c'est exactement le contraire qui va se passer. Donc ça dit bien qu'il y a quelque chose de complètement pervers dans ce qui est en train d'arriver. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette violence-là, à partir du moment où vous pouvez agresser des policiers et où finalement on a le sentiment, ce qui n'est pas forcément vrai, qu'il n'y a pas de réelles sanctions derrière, à ce moment-là, vous pouvez agresser qui vous voulez. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que quand on voit le nombre de policiers qui se font agresser, on mesure la décomplexion totale de certains face... En gros, ils deviennent les prédateurs de tout ce qui n'est pas eux, tout ce qui les contrarie. Là, on voit quand même que ça commence aussi probablement par une histoire de sale français. On n'est pas loin de sale blanc non plus. Mm-hmm. Mais en fait, c'est dommage parce qu'il paraît que le racisme anti-blanc ou que le rejet des Français en tant que Français, ça n'existe pas. Il n'y a que les fachos qui peuvent réfléchir comme ça. Bah, apparemment, pas seulement les fachos. Les agresseurs aussi réfléchissent de cette manière-là. Donc, on a sous les yeux un certain nombre de choses que l'on nous nie, mais qui sont réelles. Et surtout, c'est cette violence qui semble épargner personne. À partir du moment où vous en prenez à la police, qui va vous arrêter ? Maître Golnadel. Il semblerait qu'effectivement, le racisme anti-français soit en nette progression en France. Et là, on voit dans la narration de cet événement quotidien d'une triste banalité que le racisme anti-flic, c'est du racisme anti-français au carré. Donc, on a tout. On a toute l'histoire de notre triste époque. Donc, voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, tout cela est nié. Les gens qui le disent, d'une certaine manière, sont eux-mêmes insultés. Je crois que là aussi, c'est une réalité qui devient de moins en moins facile à masquer. À cacher et à masquer, ou à nier, Jean Garrigue. Oui, que dire, c'est le triste résultat de décennies de ce que j'appellerais, pour reprendre la formule de Gilles Kepel, une sorte de repentance d'atmosphère. Je veux dire que dans une partie de la population d'origine immigrée, puisque en l'occurrence, si on traite les policiers de Français, c'est qu'on se considère hors de la communauté nationale, c'est accréditer l'idée que la France était mauvaise, que la France c'était la colonisation, c'était les Français étaient ceux qui avaient fait souffrir le grand-père, les ancêtres, etc., et les pays dont on était issu, et que donc on n'avait pas à obéir aux règles le pays d'accueil vous impose, et qu'elle impose naturellement à tous les citoyens. Donc il y a une sorte d'auto-impunité que s'adressent à eux-mêmes un certain nombre de ces personnes.
qui sont minoritaires malgré tout, mais de plus en plus nombreuses, j'en ai bien peur. Je veux dire qu'il y a une culture de l'anti-France, en fait, qui s'est développée dans ce qu'on appelle les quartiers. Ça me paraît incontestable. Si vous permettez, je voudrais rajouter que la spécificité de ce racisme anti-français, qui est une variante du racisme anti-blanc, c'est qu'il est, et c'est vraiment la spécificité, il est aussi l'œuvre de Français eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que je considère que les immigrés, dans cette histoire, ont été plus le réceptacle que le catalyseur de ce racisme-là. Il fallait qu'ils soient des saints laïcs pour ne pas croire ce que leur racontaient certains Français, notamment les antiracistes, à savoir que ces Français étaient des racistes. Je veux dire, c'est réellement un phénomène d'une rare perversité. Jean-Claude Dassier. Non, mais c'est vrai que la guerre d'Algérie, s'il s'agit de jeunes gens dont les parents viennent d'Algérie, ce que je ne sais pas, pèse encore beaucoup et va peser longtemps sur les relations entre les enfants d'immigrés, les deux pays, évidemment, et ça va pas très bien en ce moment. Je sais pas quel âge avaient les deux intervenants, là, mais c'est sûr que pour eux, pas des très jeunes. Ce serait quand même très banal de dire que l'intégration est un échec, mon Dieu. On le voit, il suffit de les écouter. Mais je vois pas non plus l'intérêt d'un stage de citoyenneté, comme les utilisent parfois les magistrats pour essayer de régler des problèmes qui sont, hélas, bien plus graves que cela. Ce sont des jeunes gens qui, en effet, ne trouvent pas beaucoup de qualité ou de satisfaction à être en France, sauf que quand même, ils y font leur business. Ils bénéficient, j'imagine, comme tous, d'un peu d'allocation. Bref, ils bénéficient quand même d'un système globalement assez généreux. Mais ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent complètement, c'est pas leur problème. Marseille. Leur problème, c'est qu'on les laisse en paix agir et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est souvent lié à une représentation du lien social où on ne voit qu'un seul type de rapport qui est le rapport oppresseur-opprimé. Et à partir du moment où vous vous classez dans la catégorie des opprimés, donc des victimes, vous avez tous les droits puisque lorsque vous posez un acte de violence, vous êtes dans une forme de défense légitime ou d'affirmation de vous-même. Et c'est en fait ce discours-là qui a été construit et dont on peut voir les effets. Et ça, c'est complètement délétère. C'est d'autant plus délétère que jamais les liens entre êtres humains ne peuvent se résoudre à une simple question de domination. Ils sont divers, ils sont variés, ils peuvent évoluer. Sauf que là, on a eu dans une partie de la gauche un discours sur le lien social qui est réduit à sa portion la plus congrue et qui favorise toutes les expériences de violence. Je voudrais ajouter à cette complexité que, précisément, vous parliez du fait que ces gens-là sont pas des misérables. Ils bénéficient d'une assistance assez généreuse du pays, mais c'est souvent, curieusement, lorsque votre sort s'améliore, que ça se passe ainsi, que vous êtes davantage dans la récrimination. Les parents de ces gens-là, qui étaient ouvriers chez Talbot ou je ne sais pas quoi, qui avaient une position beaucoup plus modeste, étaient infiniment moins agressifs envers le pays d'accueil, de la même manière que les féministes radicales sont devenues vraiment très radicales au moment où les droits des femmes ont quand même été largement améliorés. Et je voudrais ajouter à cette complexité que l'explication de la guerre d'Algérie, pour être valable, se conjugue avec un autre phénomène que j'appelais, moi, l'antinazisme devenu fou, à savoir que nous payons dans l'inconscient collectif le fait d'avoir la même couleur de peau que l'antéchrist moderne qui s'appelle Adolf Hitler. Et ça aussi, ça coûte cher. Ça va loin. C'est peut-être un mot. Jean Garrigue, peut-être. Il y a eu une lente déprise dans une partie de la population française, pas seulement d'ailleurs d'origine immigrée, mais une lente déprise de ce sens de la vie en commun, de l'identité que nous représentons. Je ne parle pas d'identité au sens d'une nation homogène et qui ne serait pas une superposition de culture, etc. Parce que je pense que la France, malgré tout, elle est polyculturelle. Mais ce que représente le fait d'être français, d'être ensemble, c'est quelque chose, c'est une idée que c'est complètement dégradé
pour toute une partie de la population, et particulièrement pour une partie de la population issue de l'immigration, parce qu'on lui présentait justement cette immigration comme le fruit d'une colonisation qui avait détruit leur famille, leur identité, leur société. Et qui considère d'ailleurs que ce qu'ils obtiennent dans la société française n'est que la juste rétribution des souffrances qui ont été infligées à leurs ancêtres. Absolument. Alors, avec un vrai problème qui est le refus complet du dépassement. Or, en fait, toute la logique de la nation française, de la citoyenneté, est basée sur une logique de dépassement, puisqu'elle va demander à ce qu'on oublie nos particularismes pour aller en quête de l'identité générale. Ça ne veut pas dire s'effacer en tant que personne, ça veut dire que le lieu du commun est un lieu où on se fait discret sur ses particularismes pour aller vers l'autre. Et le premier effort qui est demandé, c'est un effort en termes d'égalité. Et là, on va heurter de plein fouet une autre dimension qui est en fait l'hypervalorisation des origines au détriment du réel. Et par exemple, dans certaines origines, vous avez des refus d'égalité qui sont profonds. On refuse l'égalité à la femme à raison de son sexe. On refuse l'égalité à celui qui n'a pas la même religion que nous, celui qui n'a pas la même ethnie, celui qui n'a pas la même couleur. Et ce dépassement tel qu'il est constitué chez nous, il est parfois très en contradiction avec la culture d'origine. Et dans le même temps, on dit aux gens, n'abandonnez pas votre culture d'origine. Ça donne des injonctions contradictoires impossibles à résoudre, des conflits de loyauté complètement destructeurs. Il vaudrait mieux être clair et dire, voilà ce qu'est être citoyen français. Mmh. C'est accessible à tout le monde, d'où que vous veniez, mais ça n'est pas accessible. Ça demande de se détacher. Parfois, oui, de certains pans de sa culture, bien sûr, mais c'est aussi comme ça qu'on fait nation. Okay. Forcément, je crois pas, mais bon. Ben, c'est comme ça que... À ce niveau d'engagement de ces jeunes gens face à des représentants de l'État français, soyons simples, qu'est-ce qu'on peut faire, votre avis? Parce qu'ils sont perdus, l'éducation, c'est trop tard. Je le disais tout à l'heure, le stage de citoyenneté, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes gens? Systématiquement à l'histoire, il ne faut jamais oublier que l'État-nation en France s'est constitué autour de l'idée de république à la fin du 19e siècle, à partir de provinces, d'identités régionales qui étaient très différentes les unes des autres et qui ont justement accepté, qu'on a même un peu forcé à accepter ce dépassement. Alors ça s'est fait par l'école, par une pédagogie globale de l'État, par les maires, par le service national, bien souvent par le service national, mais je veux dire qu'il y a des moyens comme ça de ressouder et d'essayer de justement d'obtenir ce dépassement-là. Mais encore faut-il une volonté politique, et encore faut-il, plus qu'une volonté politique, une volonté de chaque citoyen. Prenez par exemple l'exemple de l'éducation nationale, qui est particulièrement pertinent s'agissant de la 13e République. On s'aperçoit que aujourd'hui, l'éducation nationale fait pratiquement le travail à l'envers. Bon, c'est un dernier mot là-dessus. Je veux dire, c'est aussi un État qui assume ce qu'il est, qui arrête avec le discours sur la neutralité. Aucun État n'est neutre. Un État est constitué et fondé sur des principes, sur des valeurs, sur des idéaux. Et c'est ça qu'il doit transmettre. Et c'est le refus aussi de transmettre cela, une forme de rejet de ce que l'on est, où on a nous-mêmes intérioriser le fait que notre histoire n'était pas pure, mais c'est pas grave, aucune histoire d'aucun pays n'est pure, et on a oublié les beautés qu'on avait à proposer, on a oublié que la façon dont on fondait la nation était une des façons les plus ouvertes, et j'allais dire les plus nobles qu'il y ait. On devrait en être fiers au lieu d'en avoir honte. Et en faire la promotion. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On partira à Marseille où des policiers ont une nouvelle fois été agressés et victimes de chutes de projectiles. À tout de suite dans Punchline.